Bien, bien, bien. Tour en ruine. Il me faudrait une tour, tiens, j'y pense. Vidole. Est-ce que... Oui, ça a l'air... Eh ben, ça m'a l'air d'être bon. C'en est-il. Vidole. Tiens, je vais... Vide-le! La construction est terminée, donc mon armure est prête. Alors, reconstruisons des choses. 40 000, ça coûte si cher. Les alentours. Ah, mes gars peuvent améliorer l'état des routes. Ah, parfait. Le chemin d'accès au fort, par exemple, est épouvantable. Il y a aussi l'état des routes aux alentours. C'est bon pour le commerce, tout ça, mais ça prend du temps. Et quand les gars. Que les gars élargissent ses routes menant au fort. Ah, oui! Parce que là, il faut commencer rapidement à taxer les gens. C'est entièrement de droite de dire ça. Normalement, j'ai mon tour en ruine, non? J'ai pas une armurerie aussi qui est genre réparée. Église en ruine. Bon, l'église, pourquoi? L'église, à la limite, je me débrouillerai. L'échoppe. Ah, c'est l'échoppe. Oui, il faut que je commence à taxer des gens. Il faut que je commence à faire en sorte d'avoir des premiers sous qui rentrent. C'est un peu bête de pas mettre son propre argent dans l'économie du château. Parce qu'en vrai, moi j'ai 80 000 balles, je peux clairement tout casser dans le jeu. Hein. Cana, ma chère Cana, est-ce que ça a bougé dans la vie? J'ai un rapport. Ah, les gars ont terminé la formation rudimentaire. Ils savent se défendre s'ils sont en, mais s'ils, et s'ils sont en survie, ils peuvent submerger l'adversaire. C'est un début? C'est un début. Quel est l'état? La cour. Non, c'est pas l'état, c'est un rapport. Alors, entraînement moyen. C'est parfait, c'est parfait. Alors par contre, oui. Ah, j'ai un marchand qui s'est barré. Revenu 2000 balles. Ça dans les buts, hein, coulé 5%. Il me reste 30 000. Aïe. Il me faut état des routes élargies, donc ça c'est réglé. Faut que je fasse des trucs au niveau des fortifications. Sécurité des terres et sécurité des routes. Il faut que je vois ça avec toi. Organisation des armes. Eh ben écoute, nous allons les routes. Les routes. Allez, let's go, les routes. Attends. Sur les terres, les routes, oui. Dès demain matin, parfait. Et ben c'est tout. Au revoir. Ok. C'est là par contre ça a commencé à être tendu au niveau de certaines choses. Pourquoi mes armes sont aussi faibles? Est-ce que c'est ma forge qui est nulle? Pour que je vois ça, va falloir que je trouve peut-être un wiki ou faut que je découvre quelque chose. La construction est terminée. Ah, bonne nouvelle. Il me faut quand ça se passe aussi bien que possible, ma foi. Il faut reconstruire des choses, très bien. Alors, 33 000. Il faut reconstruire. Voyons voir. Le fort en lui-même. Ah. D'autres aspects du fort, ouais. Les bâtiments. Je peux reconstruire la forge. Les fortifications, les murs sont réparés, mais je recommande vivement de ne pas en rester là. Il faut contribuer à renforcer. 10 000 pour les murs. Non, 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 pas les murs. Les alentours. Ah, c'est. La route menant au fort. Non. Pour le moment, on va parler d'autres aspects. Putain, 3 000, non. Réparer la bibliothèque, les travaux dans l'aile ouest. Ah, pourquoi pas, mais je sais pas, je sais pas. Moi j'aimerais améliorer certaines choses. Des bâtiments. Construire la forge. Et bah la forge. Et bah allez. La forge. Let's go, la forge. Et il va disparaître encore une fois à partir de ce moment-là. Je pense qu'il va disparaître un moment quand j'aurai. Ah, mais il dirait je vais la sortie. C'est ça la blague. C'est ça la blague. Alors voyons voir mon échoppe actuellement qui doit être par l... Bah qui est là. Qui est là. Du coup j'ai deux marchands.
J'en ai un dans mon. Oh, oh là là. Oh, mais les grandes Stay Shop. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande. Ah, mais y'a personne. Ah, mais. Ah merde. Ah. Ah, oui. C'est un problème s'il n'y a personne dans les shops. Oui. Alors, comment dire? Problématique. Très problématique. Bah, la forge a été réparée et je suppose qu'il n'y a personne dans cette forge. Bien sûr. Il n'y a... Ah, non, c'est juste le bâtiment qui est réparé. Ok, c'est... Très bien. Ok, le bâtiment a été réparé. Vidal, au rapport. Ah bah parfait. Ah, le jeu vient de me refaire une petite crise d'épilepsie. Reconstruisons des choses. 26 000. Alors, nous allons... Il n'en reste plus rien à bâtir pour les derniers espaces disponibles. J'ai les plans, mais pas les ressources nécessaires. Parlons d'autres aspects du fort. Voyons voir. Les fortifications. T'as 10 000 balles pour les murs. Ça fait cher. Ça fait très cher en vrai. Mais non, non, non. Les alentours. 7 000 balles pour pavé. Allez. Allez. Les grosses caravanes marchandes pourront venir ici. Donc plus de taxes. Habile. Habile, Videl. Je vais voir si Kana, s'il y a eu des rapports. S'il y a un rapport à base de gens qui meurent, ça va être problème. Capitaine, un sujet mérite votre attention. Un groupe de gens est venu pour vous voir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous vous êtes fait un nom et moi et Méga, on aimerait abuser de votre gentillesse. Eh bien, on aimerait suivre votre exemple et devenir des aventuriers. Alors, on a fait un pot commun pour s'équiper et il ne nous manque plus qu'une mission pour partir à l'aventure et devenir riche. Très juste, frère Maxil. Alors, vous avez du travail pour nous? Il ne s'agit pas de ça, Dered, mais aussi d'apporter la sécurité au royaume. Le mal est partout en ce moment, si on me demande mon avis. Les lâcher dans la nature me paraît une mauvaise idée. Même à nos débuts, on avait plus de jugeotes que cette bande de crétins. En quoi ces aventures... Vous pourriez faire face à un vrai danger? À part mes sorts profanes et les bénédictions de frère Maxil, Juen et Kandril ont appris à manier les armes depuis leur plus jeune âge. On n'a pas peur du danger. Mais Kana, Vers Port-Last, on a entendu dire que Luskam mijotait quelque chose. Si j'avais des hommes en trop, je les enverrais enquêter. Vous avez entendu ça? En voilà une aventure! En route, les amis! Ce n'est qu'une rumeur, attention! Attends! Prenez assez de rations pour le voyage! Et ne vous en faites pas! On en aura le cœur net! Merde! Je crains que nous n'ayons envoyé ces pauvres fous à la mort. Merde! J'aurais dû leur dire de se barrer. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons! Ah! Tiens, 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 tiens! Oh, oh! Oh, j'ai des nouvelles de la capitaine Brella à Palibert. Ils ont capturé la journée de Garus Torio! Yes! Et l'ont occupé de haute trahison. Selon Brélienne, on s'apprêtait à la mettre à mort. Ah! Torio Clavin a promis son entière collaboration avec ça, tout ce qu'elle sent en échange de sa grâce. Ah! Ah! Quelle est votre opinion? On va dire d'un risque inacceptable par rapport aux informations qu'elle peut nous fournir. Je ne veux pas donner son ordre et je ne veux pas qu'elle ait sa place ici, je m'en fous. Voilà, exactement. Rapport, voyons voir. 10%. Entraînement moyen. Il faut que j'améliore mes forces. Ça, il faut que je les améliore. Ça, il faut que je fasse quelque chose. Bâtiment construit. Ok, la forge de la boutique, c'est bon. Il me reste l'église et la tour. Et il faut que je fasse une amélioration du fort. L'amélioration du fort, à mon avis. Ça doit être sur le mur ou les fortifications. Bref, il y a quelque chose à faire. En attendant, je n'ai plus de fond, ce qui n'est pas normal du tout. Et il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que,
faudrait que j'améliore la sécurité des terres et des routes. Bref, je ferai ça une autre fois. D'organiser nos gars. Ah, c'est peut-être une occasion d'organiser nos gars. Eh bien, nous allons organiser les hommes. Une mission spéciale se présente. La croisée est infestée de brigands depuis une douzaine d'années. Les fermiers sont restés. Et que le vieux Maurice avait dérouté une petite groupe de brigands, les fermiers. Commandés par le vieux Maurice, n'ont pas encore confiance dans le fort. Les aider pour nourrir. Eh bien, occupez-vous de cette mission. Et une mission spéciale qui se débloque, une première mission spéciale. J'espère vraiment que tout va bien se passer parce que j'ai très très peur de ce qui va t'arriver incessamment sous peu. Faudrait que je sache comment mettre plus de fonds pour mon fort. Ça va être un truc vraiment à regarder. Je m'en répète beaucoup. Maître Vidle. La construction est terminée. Parfait. Alors, reconstruisons des choses. Il me reste 3000. Je peux rien faire avec 3000 balles. Je ne peux rien faire. Non. Le fort. 3. Il vous faut une. Faites réparer l'aile ouest. Ouais. Eh ben écoute, répare l'aile ouest. À mon avis, il doit y avoir un truc dans les. 11 000 balles de perdu. Donc c'est dans mon. Ah, ça y est, je commence à payer de ma poche. Très bien. Alors par contre, pourquoi je perds de l'argent alors que. Alors que. Ça coûte 3000 et que j'avais encore 3000. Il doit y avoir un truc dans la VF de la version originale qui est complètement pété. Mais si je peux payer une partie de temps en temps avec ma thune, ça veut dire que le jeu l'a pris en compte et c'est une excellente chose. Par contre, s'il y a un souci dans le paiement, à mon avis, les 10 000 balles de réparation du fort, ça doit en valoir 30 ou 40 000. Kana, comment se passe ta mission? Alors, le vieux Maurice était loin dans les collines agrémentales, ont du mal à le trouver. D'après le rapport, c'était un individu en long couleur. Les gars ont été contraints de camper à proximité à plusieurs tirs de semence. Après quelques jours d'attente, les brigands se sont montrés. Pas bien organisé, mais les gars étaient très peu nombreux et ils ont repoussé. Nous avons que il faut que je les entraîne. Le vieux Maurice était si content qu'ils ont refusé. Mais on vous doit. 500 pièces d'or. Nous allons organiser les hommes et nous allons. Il nous faut plus de soldats. Il nous faut plus de soldats. Oui. Il nous faut plus de soldats. Et nos coûts de chair, n'oubliez pas, par ailleurs, vous avez une décision importante à prendre. Nous n'avons aucun critère de recrutement. Pourront certainement passer douteux. Mais écoutez. Ben, je ne souhaite pas changer mes critères. Enfin. Qu'est-ce que c'est constaté de progrès? Chacun est désormais bon qu'un soldat de milice. Ils pourront encore s'améliorer, mais ils sont déjà aptes à se battre. Les soldats accomplissent leurs tâches sans trop se plaindre. Les incidents de supervision sont rares. L'équipement. Eh ben, c'est l'équipement que je veux améliorer. Changeons de sujet. Je peux améliorer leur équipement? Bon, on sent les terres aux alentours de la route du commerce, c'est 100 fois ni long. Ah, puis il faut que je. Ok. Organisons les hommes et ils vont. Les routes. Envoyer des gens sur les routes. Au revoir. Bien. Envoyez plein de gens sur les routes. Envoyez-les. Faire plein de choses, s'il te plaît. Maître Vidle là. Alors, la construction est terminée, parfait. J'irai checker ça. Alors, il faut construire des choses. J'ai toujours 3000 balles de fond, je sais pas pourquoi. Le fort, non. Parlons d'autres aspects. Les fortifications. Alors, on est d'accord que les fonds, il me faut les murs. Très bien. Les alentours, ok, 10 000 balles, c'est trop cher.
Le fort lui-même, juste de pièces, et les bâtiments. Pour le moment, je ne peux rien faire. Comment ça se passe? Aussi bien que possible. Bon. Pour le moment, je vais rien faire. Je vais explorer du coup l'aile ouest, qui a été construite et dégagée. L'aile ouest, elle est là-bas. Bah, je vais voir là-bas avant d'aller voir Kada qui m'a apprendre des trucs. Donc là, déjà, j'ai envoyé un groupe des gens, de gens à la mort parce qu'ils sont trop cons. Ils sont clairement trop cons d'ailleurs. C'est même pas une vanne, ils sont juste trop cons. Et j'ai possiblement fait n'importe quoi. Est-ce que là. Bah, l'aile ouest, bah, enfin. Ah, mais est-ce qu'il me parle de cette aile ouest? Ah, de cette aile ouest. Ok, cette porte est maintenant ouverte. Ok. Très bien, donc cette aile ouest est, est ouverte. Et il y a un bureau. Clé de... Oh! Je suis trop chargé pour bouger! Mais j'ai juste pris une clé. Citoyen illustre. Attends, quoi? Oh! Oh, petite histoire sur la côte des épées. Évidemment, je le rappelle, mais vous êtes sûrement connaisseur des jeux Forgotten Realms, à savoir que cela fait partie du lore de Baldur's Gate. Et nous avons une petite histoire, en effet, qui mentionne le seigneur Nashair, Damaribès de Tilmarand et Desterin d'Eliad et Fentic, des gens de Neverwinter Nights, premier du nom, qui est bien sûr disponible sur la chaîne dans une playlist du même nom. Oh, intéressant, intéressant. Par contre, pourquoi avec une seule saleté de clé? Faudrait qu'on m'explique à un moment. Il va vraiment falloir que je fasse un petit peu de tri là-dedans. Alors du coup, cette clé du fort, très bien. À mon avis, si cette clé me permet d'ouvrir toutes les pièces, c'est que beaucoup de choses vont pouvoir être visitées. Et à commencer, je pense, par cette pièce tout au fond qui m'était inaccessible. Non mais fais pas de crochetage, tu as la clé. Mais... Enfin... Ah j'ai... Non, je n'ai pas le droit. Ok, j'ai pas le droit. Non, cette pièce est toujours terminée. Salle de guerre. Ah, c'est ma salle de guerre. Très bien. Ok, ok. Intéressant. Kana, du nouveau. Non, Kana. Rapport des Grimantel. Malgré la patrouille, les routes sont toujours aussi peu sûres. Ça dure depuis des années. Il faut des patrouilles régulières pour que cela change. Eh ben, on va organiser des hommes et il nous faut recruter. Merci. Ah, je fais de la gestion depuis 55 minutes, au secours. Bon, peut-être pas depuis 55 minutes, mais... Voilà, vous m'avez compris de toute façon. Et il fait nuit. Alors. Passer méga au repos, il y a encore temps à faire. Et bah pour le moment, si. Ah ouh, 5000 balles. Ah, les rentrées d'argent commence. En vrai. Alors attendez, je vais faire une sauvegarde parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. Ça fait une heure que j'ai pas sauvegardé. J'aimerais savoir. Combien ça me prend dans ma thune, sachant que j'ai encore 65 000 balles, d'améliorer, attention, d'améliorer le fort, la fortification surtout. 44 000 balles. Ça reste ok.
Donc là, j'ai amélioré les fortifications, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, écoutez, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une ellipse, déjà, pour commencer. Ou je vais tout simplement vendre du merdier à Jean-Mi, qui est juste là. Et je vous retrouve juste après pour terminer cette petite session gestion. On fait comme ça? Allez, on dit qu'on fait comme ça. À tout de suite. Bien, et ben j'ai tout vendu, j'ai fait tout mon petit tri, je suis remonté à 68 000 balles. Voilà, voilà. Du coup, je vais juste écraser ma sauvegarde, et puis on va en foutre une autre. Et puis, avant de se quitter, on va faire un dernier tour du fort. Vous savez, ces aventuriers qui cherchent du travail, et bien ils vous envoyaient une lettre de Porliast sans deck. Là aussi, par miracle, ils ont survécu et envoyé de leurs nouvelles, ça me dépasse. What? Les hommes, oui, sur... alors non. Les hommes... Ils s'entraînent. Ils vont s'entraîner. Et faites-moi un rapport sur le fort. Faites-moi un rapport. Entraînement bon. C'est bien ça, mais il me faut des meilleures armes et des armures. Nom de Dieu. Ça par contre ça va être vraiment bon. Ça c'est le premier truc dans le verre, donc c'est déjà pas mal. Je n'ai plus aucun fond, mais j'ai des revenus de temps en temps. Ok, je vais m'occuper de ça, ça va être mon nouveau fun. Mais attends, quoi? Attends, quoi? Au capitaine du fort de la Croisée, je suis heureux de vous informer de nos découvertes depuis le départ. Eh ben, arrivé à l'auberge de l'Alliance, nous en sommes... Nous sommes un finesse personnage, un agent de l'escape dénommé Strapling ou Lingoster. J'ai soulevé l'aubergiste un certain Faglar ou Oui, d'accord. Je l'ai complètement arrosé de deux pièces de cuivre, histoire que nous arrangions une autre vie que le whisky. Le bouc n'était pas d'accord. D'accord, une fois il roulait sur le... Ouais. Le skater a laissé échapper qu'il avait un frère quelque part dans le sud et qu'il attendait son retour à Porlast. C'est sur une... A suggéré que nous approchions. Elle a affaibli Kandril d'une de ses robes les plus échancrées. La présente à sérieux. Je peux vous dire que le bonhomme a. Dans ses charmes féminins et grillés, Kandril a appris à grand âge que le frère de cette heure. Oui, nous avons appris que le frère en question faisait route vers le fort de la quoi? Parce qu'il y avait une bougie qui n'avait rien à voir, a mis le feu à deux ou trois bricoles, d'ailleurs le berger se veut se précipiter. Oui, bah tu m'étonnes. Rien de mon intervention, bah c'est... Malgré moi, nous avons été chers. Oui, bah évidemment. Faites attention à ce crapleur Brawling Star, qui sait quel film. Très bien. Eh ben... Bravo, je crois. Voilà, le jeu est un petit peu bourré, ça y est. Je crois qu'on va avoir des petites difficultés avec cette map. Eh ben, incroyable. Cette bande de bras cassés a réussi à avoir une information. Eh ben, je vais m'occuper de cela rapidement. La construction est terminée. Alors, reconstruisons des choses. Fortification... Enfin, les murs, une source solide. On peut ériger des tours sur l'enceinte extérieure. Ah, bah si on. Ah, je n'ai pas les 15 000 balles. Ah, merde. Non, on va parler d'autres aspects. Les bâtiments. Non, je ne. Ok, je peux encore rien faire. Les alentours. Les routes. Non, pas les routes pour le moment. Le fort en lui-même, ah, je peux faire réparer la bibliothèque. 12 000 balles, honnête. Eh bien, écoute, la bibliothèque va être réparée. Je suis quand même curieux de savoir quelle espèce d'empoté, si la personne, tout simplement si cette personne, Seluscanien, est arrivée à mes portes. Eh bien, écoute... On peut vous mener à certains coins. Oh, tu peux m'emmener où? Ah ouais. Ah ouais, ouais, dis donc. Au trésor d'un dragon, MDR. Pardon.
Pardon. Emmène-moi au champ, s'il te plaît. Ah. Oh, Kalindra! Oh bah Kalindra! Oh bah tiens, mon ami! Ah, ça me fait plaisir de te voir, Kalindra. Puis aux affaires prospérer, qui je suis venu jusqu'au fort. Je sens qu'il y a pas fort potentiel économique. Ça tombe bien, moi aussi. Bien, mes talents marchands et maçons, nous avons besoin de fruits de la terre. Si vous trouvez un dépôt de minerais, où se trouvent les dépôts de minerais? Si vous vous retrouvez dans une cave ou une mine et que vous tombez sur des fruits de la terre. Des fruits de la terre. Très bien. Des fruits de la terre. Eh ben, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais si elle me dit que c'est très important pour elle, eh bien, je note ça. Il me reste encore 56 000 pièces d'or, c'est parfait. Mon cher sbire du loup, peux-tu m'amener quelque chose? Ah bah amène-moi à la cour, oui bien sûr. Je fais un dernier tour et ensuite je vous promets, j'arrête là pour cette session. Mais à mon avis, on va y passer énormément de temps, vous voyez. Vraiment énormément de temps. Donc la forge et les shops sont réparés et le reste c'est pas encore ça. C'est pas encore ça mais pour le moment, si je peux avoir des bonnes fortifications, minimum des bonnes fortifications et quelques petites choses à droite à gauche dans mon fort. Donc normalement le fort m'a dit la bibliothèque s'est réparée. Si la bibliothèque est réparée, ça veut dire que Amanjiro peut faire énormément de petites choses sympathiques avec tous ces bouquins. La bibliothèque, elle est où? Elle est où la bibliothèque? Salle à manger, cuisine. Oui. Ah, ça doit être dans le sous-sol. Je pense, je sais plus. Ou alors c'est par là. Puis-je vous aider? Vous voilà. Mais il y a Kana, mes compatriotes et notre capitaine maintenant. Ah bah hein. C'est moi. Vous savez, Dered. Eh bah mince alors. Mes amis et moi, nous avons continué nos aventures. Vous avez eu mon mot sur Porlast? Kana avait raison, vous savez. Il se trame quelque chose de pas net à la frontière luscanienne. Après ça, on a pris la route. J'ai trouvé une vieille dame et sauvé un chat. On a chacun eu droit à une pomme. Ma foi, il faut bien commencer quelque part. J'imagine que cette dame a été tout aussi charmée par cet acte de bravoure que nous. Ma foi, si notre capitaine s'en était chargé, le chat courrait encore, l'arbre aurait brûlé et la vieille dame voyagerait avec nous. Viens-en en fait, Dered. Le capitaine n'a pas que ça à faire, tu sais. Très juste! Auriez-vous entendu des rumeurs? Oh non, non, pas la peine. La serveuse saura bien me renseigner. Y a-t-il du travail pour un aventurier? Je ne pense pas à ces aventuriers, prêts à affronter autre chose qu'un kobold à moitié sénile. Eh bien écoutez, vous m'avez assez impressionné, je dois dire, parce que quand même, je suis surpris et je commence à vous faire un petit peu confiance. Pour le moment, attendez, on va continuer sans lancer. Est-ce que vous avez entendu quelque chose sur le roi des ombres? Le roi des ombres, oui. Duen, Cambril. On l'a, notre quête! En savoir plus sur le roi des ombres! Chargez les chevaux! Il doit y avoir des indices dans les parages. À l'aventure! Désolé, capitaine. Des raids et parfois... Vous savez... Bonne chance à vous tous. Un de ces jours, capitaine, vous allez tous les faire tuer. Oui, mais... Kana, écoute... La chance... La chance, Kana, tu le sais aussi bien que moi. J'aimerais savoir où se trouve ma bibliothèque. Je suis sûr qu'elle est là, ma bibliothèque, elle doit être par là. Je sais, j'ai dû y aller vite fait un moment et puis j'ai zappé. Voilà. Ah, rapport des Grimantelles. Chaque Grimantelle est maintenant un guerrier accompli. Ils ne sont pas au niveau d'un bachelier, mais très bien. Et ben, c'est une excellente nouvelle. Fais-moi voir. Le meilleur équipement, c'est très bien. Donc, meilleur entraînement. Bon, Kana. Maintenant, il faut. Qu'on parle. Oui.
Il faut que on parle des hommes et des sergents. Il faut qu'on sache s'ils sont prêts au combat. Ça, ok. Les hommes accomplissent leur tâche sans trop se plaindre. Très bien. L'équipement des troupes est nul à chier. Il faut changer ça. Non, ah merde, je peux pas le... Non, parlons d'autre chose, je... Non, mais... Non, Kana. Organisation des hommes. Il faut... On va diviser les troupes entre les routes et les terres. Non, on va pas diviser les troupes. On va envoyer les gens sur les routes. Tous. Je m'en fiche, on les envoie tous. Et on fera un rapport et bien, dans la prochaine vidéo pour savoir où ils en sont. Ouais, Alors ça, c'est ma salle de guerre. C'est donc j'en ai absolument rien à faire de cette salle de guerre. Mais il y avait un étage supérieur, me semble-t-il, non ? Le sous-sol, j'y suis déjà allé. Il faut que je trouve Sand. Sand, je l'ai entendu. Il était quelque part. Ah bah la porte elle est ouverte. Ah, eh bien il est là, Sand. La bibliothèque est enfin débloquée. Parfait, parfait. Ah, ouh, il y a une porte ici. Sûrement la suite royale. Comment vas-tu, Sand? Oui. Ça va, Sand? Ce nom m'est familier. Il n'était naguère qu'un mage insignifiant de la tour des Arcanes. Je suis sidéré qu'il ait atteint un tel sommet si vite. Nul doute qu'il s'est acquis un puissant soutien. Il avait un talent avéré pour les arcanes, mais rien qui puisse expliquer une telle ascension. Les vrais maîtres de Luskan? Non, pas plus que tout autre mage de nos régions. Traité avec la tour des arcanes... Très bien, bon. Inutile, Aldanon. Ah, Aldanon, quelle chance que vous ayez pu nettoyer cette salle. Ah, j'aimerais faire appel à votre savoir. Oh. Que savez-vous de l'histoire de Luskan et de Ruatim? Le tome d'Ilikazar, c'est un manuscrit ancien des golems. Ah, oh, intéressant. Mais je l'ai en plus, ce tome. Eh bien, plus de questions. Voyons voir. Et que savez-vous du roi des ombres? Que lui est-il arrivé? Très bien. Eh bien, c'est très bien, Andadon. Oh, oh, une petite bibliothèque. Attendez, une petite bibliothèque, là. Oh, dis donc. L'art ancien de la fabrication des golems. Ah, oui. Oui, 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 oui. Je prends. Votre réanimation de la créature artificielle, mais... Oui, alors... Oui, ça d'accord. Alors... Oui, mais j'avais déjà cette quête. Il faudra que je me renseigne sur cette quête un peu plus tard. Mais je prends. Là. Ah, attendez, il y a un... Mais, il y avait un livre par là. Il y avait un livre qui s'est... Ah, les parchemins n'éthérisent. Oh, encore un petit peu de lecture. Je ne vais pas la lire, mais je vous laisse faire pause pour savoir de quoi il en est question. Évidemment. D'ailleurs, alors, fun fact. J'avais un projet à l'époque de faire de la narration sur tous les livres de Neverwinter Nights 1. Basé sur mes vieux épisodes en qualité dégueulasse. Une idée que j'ai abandonnée parce que beaucoup de choses. Il y a plein de petits livres, c'est très très cool ça, un petit peu de lore pour ceux qui veulent en savoir plus. Très sympa, très sympa. Peut-être qu'un jour je me chaufferai, je recommencerai ça. Et du coup là, attends, Chandra. Attends. Convocation de créatures. Il y a un parchemin par terre. Mais non.
Je peux pas le... Ah, je peux pas le prendre. Ah, je peux pas le prendre, mais convocation de créatures niveau 9. Je sais que ça a l'air très puissant. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Il y a juste... Charme monstre du groupe A. Et là, j'ai obtenu le parchemin. Eh bien, parfait. Et ben, des petits loots très sympas sur tout ce que j'ai débloqué. Et la dernière chose à débloquer ici, ce sera cette porte. Eh bien, écoutez, cher public, je pense que nous avons tout vu. On a passé un bon petit moment à faire cette gestion, à remplir quelques petites quêtes et à améliorer. Il y a encore plein de choses à faire que je vais sûrement découvrir au fur et à mesure. J'ai sûrement, je pense, atteint les limites actuelles pour améliorer mon fort. Sûrement que je dois continuer la quête principale pour aller parler des personnages clés et même revenir à d'autres endroits. Mais pour le moment, nous allons nous arrêter là et nous verrons cela la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette session gestion du fort en ma compagnie. J'espère au moins que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire. Si vous avez des tips, et je les prends vraiment, si vous avez des tips et astuces et des conseils même sur comment gérer le fort si vous avez fait Neverwinter Nights 2 ou si vous êtes en train de le faire actuellement, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le contenu, de passer me voir sur Twitch, là où je suis le plus présent en ce moment, et aussi me suivre sur Twitter où je suis présent aussi, et même Instagram. Bref, il y a tous les liens qui sont dispo dans la description et même à l'écran. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.